Merci d'avoir choisi le toboggan Typhoon de SR Smith. Nous avons créé cette vidéo pour vous présenter le toboggan et pour vous aider à l'installer. Pour utiliser cette vidéo comme aide visuelle pendant l'installation, lancez-la sur votre appareil mobile. Reportez-vous au guide de montage fourni avec le toboggan pour les dimensions exactes, les procédures et les détails de l'installation. Il est fortement conseillé d'assembler le toboggan à deux personnes au moins pour pouvoir le déplacer en toute sécurité pendant l'installation. Commençons. À la livraison, lisez bien les avertissements et les étiquettes d'information sur l'emballage avant d'ouvrir. Nous vous conseillons d'utiliser le carton d'emballage comme surface de travail pour protéger du sol les composants du toboggan et éviter les éraflures et autres détériorations. Prenez le temps de vérifier que toutes les pièces et accessoires de la nomenclature ont bien été livrées et que vous disposez des outils requis pour l'installation. Assurez-vous que tous les joints du toboggan sont en bon état avant de commencer l'assemblage. Vous pouvez maintenant commencer à assembler votre toboggan. Commencez par la partie inférieure de votre toboggan. Elle comprend la base et le bas de la glissière. Repérez les cavités en bas du toboggan, puis percez à cet endroit des trous de guidage pour les tire-fonds. Pour ne pas racler le sol et ainsi éviter les éraflures, nous vous conseillons fortement d'être deux personnes pour manipuler le toboggan, le déplacer ou le retourner. Une fois que la partie inférieure du toboggan est assemblée, passez à la partie supérieure et fixez-y l'échelle. N'oubliez pas d'appliquer un lubrifiant anti-grippant sur toutes les pièces de fixation, sauf sur les tire-fonds. Ce symbole apparaîtra pour vous indiquer quand l'anti-grippant doit être appliqué. Insérez les 4 boulons à tige filetée à l'endroit où vous allez fixer le haut de la glissière. Pour serrer plus fortement les boulons, enveloppez-les d'un chiffon ou de ruban adhésif, puis utilisez une pince. Assemblez le haut et le bas de l'échelle comme le montre la vidéo. Utilisez la visserie appropriée mais ne serrez pas complètement. Ceci facilite l'alignement des composants. Rappelez-vous de ne pas serrer complètement la visserie jusqu'à ce que tous les trous soient alignés et que les vis et les boulons soient correctement en place. Une fois que toute la visserie est en place, serrez complètement. Vous allez devoir poser un joint sur la partie supérieure de l'échelle. Reportez-vous au guide pour les instructions de pose. Fixez le haut de la glissière à l'échelle. Vérifiez une dernière fois que le joint est bien collé avant d'assembler ensemble la partie supérieure et la partie inférieure du toboggan. L'astuce à retenir pour l'assemblage, c'est de commencer par les vis et les boulons de l'intérieur de la courbe et de terminer par ceux de l'extérieur. N'oubliez pas d'appliquer un lubrifiant anti-grippant sur toutes les pièces de fixation, sauf sur les tire-fonds. Vous êtes maintenant prêt à installer votre toboggan sur la plage de piscine. Reportez-vous au guide d'installation pour toutes les dimensions et les calculs. Pour savoir où percer, faites une marque au sol en utilisant les trous de montage comme guide. Une bonne astuce pour percer la bonne profondeur, c'est de faire une marque sur la mèche avec du scotch. Dépoussiérez les trous, puis alignez les trous de montage avec les trous d'ancrage. «
Insérez les goujons dans les trous de montage, puis enfoncez-les jusqu'à ce que la rondelle et l'écrou soient alignés avec la surface. Vérifiez l'aplomb du toboggan. Si vous avez besoin de cale, contactez SR Smith. Serrez l'écrou de 3 à 5 tours pour provoquer l'expansion du goujon. Avant de serrer définitivement l'écrou, retirez-le pour ajouter la rondelle frein. Celle-ci permet de renforcer la fixation du toboggan au sol. Le toboggan étant assemblé, il est temps de raccorder le système d'alimentation en eau. Il est astucieux d'assembler les pièces de tuyauterie à sec avant de coller. Ceci vous permet de faire les ajustements nécessaires. Utilisez un apprêt et une colle pour plastique pour sceller les pièces entre elles. Quand les pièces de tuyauterie sont bien collées ensemble, vous pouvez fixer le système d'alimentation en eau au toboggan. Bravo, vous venez d'installer votre toboggan Typhoon de SR Smith. Vous pouvez maintenant vous faire plaisir et vous éclater.